Jeudi 17 août 2023, Le Figaro a annoncé la mort de la tante de Guillaume Canet. En effet, Claudette Canet, la sœur du père de l'acteur, est morte à 92 ans. Une terrible nouvelle pour le comédien et toute sa famille. Guillaume Canet présidera le jury du Festival du cinéma américain de Deauville. Un événement qui aura lieu du 1er au 10 septembre, bien évidemment à Deauville, Calvados. L'acteur sera épaulé par une équipe de jurés, composée d'Anne Berest, Stéphane Bach, Lord Clermont-Tonnerre, Alexandre Aja, Marina Hens, Rebecca Marder, Yodelis et Léa Missius. Il faut dire que Guillaume Canet avait attiré tous les regards il y a quelques mois en marge de la sortie d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu au cinéma. Il avait tenu à répondre à certains spectateurs déçus du long métrage, « Ce n'est absolument pas un échec », disait-il au JDD, avant de préciser, « Il a été vendu dans le monde entier et a fait à ce jour plus de 2 millions d'entrées à l'international, avec des cartons en Europe, en Pologne par exemple. » On oublie qu'avant Avatar ne lance en grand le mouvement au sortir de la pandémie, peu de films faisaient ces chiffres-là. Mais alors qu'il se trouve à l'apogée de sa carrière, Guillaume Canet fait face à une terrible épreuve. Le Figaro a annoncé jeudi 17 août 2023 une nouvelle tragique. En effet, une certaine Claudette Canet est morte à l'âge de 92 ans. Le décès a eu lieu à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Bien évidemment, le nom de famille de la défunte n'est pas sans rappeler celui du réalisateur des Petits Mouchoirs. Et pour cause, l'acteur de 50 ans a bel et bien perdu un membre de sa famille. Guillaume Canet présent aux obsèques, l'acteur, qui a pris quelques jours de vacances avec Marion Cotillard en Angleterre, a rapidement été confronté à la réalité à son retour en France, en apprenant le 10 août 2023 que sa tante était morte. En effet, Claudette Canet, est la sœur du père de Guillaume Canet, Philippe Canet. Nos confrères rapportent que les funérailles se dérouleront le 21 août 2023 à Main-sur-Loire, dans le Loiret. L'acteur devrait s'y rendre pour faire ses adieux à sa tante durant la cérémonie religieuse qui est organisée ainsi que son inhumation au cimetière communal.